Bonjour et bienvenue sur Rétro Strange numéro 3 sur la chaîne Planète Strange. Aujourd'hui, dans Rétro Strange, on va parler du Strange 172 qui coûtait à l'époque 7,50 francs. C'est une petite augmentation hein, depuis la dernière fois. Et qui date d'avril 1984 avec cette magnifique couverture de Jean Frissano. Alors, je m'arrête un peu sur cette couverture parce que il y a quand même une appointance avec un album de Pink Floyd. Je vous mets la pochette et la couverture. C'est Marie Séverin qui avait fait cette fameuse planche de dessin où nous pouvons voir dans l'album de la pochette de... alors c'est Sorcerful Secret ou quelque chose comme ça. J'ai plus le titre exact de l'album. Vous pouvez voir dans le coin le tribunal vivant et dans le coin en bas le Docteur Strange. Si vous ne l'aviez jamais remarqué, eh ben, observez bien cette pochette d'album. Pour le reste, bah, si je vous parle du Strange 172 d'avril 84, je vais vous parler aussi, et alors là, c'est un peu la nouveauté, de son frère jumeau. Le Strange Special Origin 172 bis hors série, qui est un peu son jumeau, hein, et qui retrace les origines de deux super vilains. Mais on en parlera après. Dans un premier temps, y a quoi dans ce Strange 172 il y avait même mon prénom qui était écrit dessus à l'époque. qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Daredevil 174 sorti en 1981, scénarisé par Frank Miller, dessiné par Frank Miller et ancré par Klaus Johnson. Sous le titre de The Assassination of Matt Murdock. Alors ça a été maintes fois réédité, hein, cet épisode-là de Frank Miller. Ça a été réédité dans les tout premiers intégrales d'Ardeville, dédiés à Frank Miller. Ça a été réédité dans l'Omnibus qui est sorti, si je dis pas de bêtises. Et il me semble qu'il y a même eu une... Ça a été réédité en Icon, mais ça, c'est à vérifier. Ça raconte quoi, cet épisode de d'Ardeville? Ça raconte que l'organisation de la main est engagée par le Caïd pour assassiner l'avocat Matt Murdock et son client, le gladiateur, qui est un vieil ennemi de tête à corne, de Daredevil. Et Elektra, la tueuse célèbre, tueuse à gages, apprend ce sombre projet à Paris et décide de porter secours à son ancien amant, puisque évidemment... Elektra a été l'amante de Matt Murdock et donc indirectement de Daredevil et part directement aux États-Unis pour le sauver. Parallèlement à ça, elle a un métro de retard puisque la main attaque directement Matt Murdock dans son appartement. Mais ils ignorent complètement que Matt Murdock est Daredevil. Pensant s'en prendre qu'à un simple aveugle, ils se prennent une sacrée roustre par Matt Murdock. Et lui essayant de faire parler les tueurs de la main, tous se suicident avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, Matt Murdock se rapproche de Foggy, et là, un attentat arrive, les gens de la main balancent une bombe qui explose au visage de Matt Murdock, et il perd ses hypersens, c'est son sixième sens. Il a plus de sang radar, donc cette fois-ci, il est vraiment aveugle, et donc vraiment menacé. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Elektra va venir à son secours. Il faut aussi protéger le gladiateur. Pour la suite, je vous laisse deviner ce qui peut arriver et quels sont les enjeux. Mais on rentre dans un cycle passionnant et peut-être plus adulte. C'est la période de Frank Miller concernant Daredevil est une période vraiment, pour le coup, plus mature par rapport à ce qui a été écrit précédemment dans les précédents récits, un peu moins naïf. Et c'est, on peut le dire, enfin en tout cas pour moi, c'est l'âge d'or de Daredevil, et c'est ce qui va définir Daredevil dans les décennies à venir. Donc je conseille fortement ce récit, ces récits et cette période de Frank Miller.
qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on a ensuite un Amazing Spider-Man datant de quand? De 1981, le numéro 216. Au scénario, Dennis O'Neill. Au dessin, John Romita Jr. À l'ancrage, Jim Monnet. Le titre, Marathon. Je m'en sors bien là pour l'anglais parce que Marathon, il fallait, c'est pas trop dur. Qui a été réédité dans l'intégrale Amazing Spider-Man 1981. Alors ça raconte quoi précisément ce récit? Ben voilà, Spider-Man se remet difficilement d'un combat contre les Terrifics. Les Terrifics qui sont les ennemis des Quatre Fantastiques. Après avoir passé des radios à l'hôpital pour se rassurer, il surprend une étrange conversation de trois individus cachés derrière un rideau. Et en effet, ces trois individus projettent d'assassiner une personne, un coureur qui participe à un marathon, certainement le marathon de New York. Peter Parker ou Spider-Man va prendre son costume, partir dans les rues de New York, téléphoner à Madame Webb, la fameuse translucide aveugle, afin de définir qui sont ces trois tueurs et la potentielle future victime. Malheureusement, Madame Webb va pas pouvoir l'aider dans un premier temps, c'est donc une traque qui commence, afin de deviner comment Spider-Man va réussir à trouver ces criminels. Le récit en lui-même se suffit totalement par lui-même, c'est un épisode unique, c'est un one-shot, j'ai envie de dire. Plutôt agréable, en plus c'est un récit, réaliste en termes d'écriture. Pour une fois, il n'a pas affaire à un super vilain qui a des super pouvoirs, il a juste affaire à des criminels lambda. Et en ça, le récit est plutôt sympa et plutôt reposant pour une fois en termes d'enjeux, mais assez plaisant à lire. Sinon, sur ce récit-là, j'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus. On arrive à l'épisode suivant, le Iron Man 166. Alors là, il y a une particularité parce que le 166 a été coupé en deux par les éditions Lug. Faute de place, pas assez de place, et je pense que les numéros de pages ont augmenté pour les comics, et donc du coup y a plus assez de place dans Strange, donc de temps en temps on avait un épisode qui se retrouvait chanté en deux, et là c'est le cas, et donc c'est la deuxième partie de l'épisode 166. Qu'est-ce qui s'est passé au début de cet épisode? Après ces succès contre ses ennemis, j'ai oublié de dire le nom, scénariste, c'est Dennis O'Neill, encore, c'est Dennis O'Neill, il est partout, décidément, le dessinateur Luc McDonnell et l'encreur Steve Mitchell, le titre, One of Those Days. Alors, je sais pas si la prononciation est bonne. Vous me corrigerez dans les commentaires. En tout cas, j'entendrai pas votre accent. Donc, je reviens sur le résumé. Tony Stark et Iron Man ont affronté divers ennemis en Écosse. Jim Rhodey se retrouve dans le coma à l'hôpital. Tony Stark et son amoureuse décident de quitter le sol de l'Écosse pour retourner aux États-Unis. Au même moment, alors je parle un peu de ce qu'il y a dans le 172. Un vieil ennemi d'Iron Man refait surface. Il s'agit du Fondeur. Iron Man va lui casser la gueule, mais alors on sait pas pourquoi, parce que finalement le mec, on sait pas s'il vient avec des mauvaises intentions. Lui, il est là juste à son secrétariat et il se dit j'ai une remise de peine pour bonne conduite, mais c'est pas grave, Iron Man le défonce. Ça se trouve, le gars il venait pour trouver du boulot, hein. C'est tout. Enfin bref. Ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il y a eu ce combat, Tony Stark va découvrir qui est son ennemi, qui se cache derrière les attaques qu'il a subies en Écosse, et il s'agit d'un ennemi que vous connaissez tous si vous avez vu le premier film Iron Man, puisqu'il s'agit d'Obadiah Stane,
un industriel plutôt rusé, plutôt machiavélique, je dirais, et j'irais même plus loin, un sacré stratège. On pourrait même dire un joueur d'échecs. Ceux qui comprennent, qui ont lu Lestrange à l'époque comprendront la référence. Toujours est-il que Tony Stark décide de l'attaquer frontalement et va attaquer son usine avec l'armure d'Iron Man. Mais voilà, il n'a aucune preuve contre Obadiah Stane et il se retrouve bien le bec dans l'eau parce que Obadiah Stane lui dit « Mais tu n'as pas de preuve contre moi, cher ami. » Et il lui fait trois prédictions à la fin de cet épisode. Trois prédictions terribles qui vont lui tomber dessus. Assez incessamment sous peu. La première, c'est quand il revient, il apprend que une filiale européenne a racheté les parts de Stark Enterprises. Ah, paf ! Premier coup, ça fait mal. Le deuxième, il apprend que Jim Roday a disparu. Il n'est plus à l'hôpital en Écosse. Bing ! Et le troisième, il ne le sait pas encore, mais sa petite amie dont il est très amoureuse est en fait une agent d'Obadiah Stane. Tout est réuni pour que Tony Stark retombe dans l'alcool et dans une dépression profonde. C'est le début de la chute de Tony Stark pour une saga qui va durer un paquet d'années. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je pense de cette période-là ? Moi, en termes de dessin, j'étais pas très très fan du dessin. En revanche, j'aime beaucoup tout l'arc sur la chute de Tony Stark. J'ai trouvé que son retour était beaucoup trop long, jusqu'à la chute d'Obadiah Stane. Qui a été réédité dans un best-of que j'ai déjà fait voir dans des précédents brefs de comics dédiés à Iron Man, donc je vais pas en reparler. J'ai trouvé que ça, c'était très très long. En plus, Iron Man, à l'époque en France, a souffert de son transfert de Strange à Nova. Ça a été terrible, puisque c'était un des personnages historiques de Strange, avec Daredevil, puisque c'est les deux personnages qui sont restés dans Strange du début jusqu'à cette période-là. Et voilà, donc c'est un peu la chute de Tony Stark, et c'est le seul vraiment intérêt au niveau scénaristique qui m'intéresse. Pour moi, l'âge d'or était plutôt derrière, et le meilleur est plutôt à venir un peu plus tard dans Strange. Hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite après Iron Man ? Un autre homme d'acier. Ouh, cette fois-ci, on revient sur Rome, le chevalier de l'espace. Alors, j'en ai parlé dans Rome. J'en ai parlé dans un bref de comics. J'en ai parlé dans un rétro Strange, le numéro 1, où j'explique son arrivée, qui est donc ce mystérieux personnage en armure, et pourquoi il désintègre la moitié de la ville une fois qu'il est là. C'est vrai, il est fou, il a un problème nerveux. Prends des médicaments, quoi. Donc c'est le Rome numéro 41, datant de 1983, au scénario Bill Mantlo toujours, au dessin toujours Sal Buscema, à l'ancrage, et ça c'est plutôt une bonne surprise, Ian Akin et Brian Garvey. Le titre, alors là, on ne se moque pas, le titre en anglais, The Dweller on the Threshold. J'espère que je ne me suis pas trompé. Le résumé ? Rome affronte les spectres. Alors, si vous ne le savez pas, mais en fait, Rome vient de l'espace, d'une planète qui s'appelle Galador, qui est en guerre contre les spectres, une race extraterrestre diabolique qui est capable de changer d'apparence, un peu façon The Thing. Cette fois-ci, Rome Ben a affronté un personnage qui s'appelle le flûtiste. Ça, c'était dans le 171, dans le Strange 171 que j'ai ici. J'ai obligé de parler de celui-là, sinon on s'en sort pas. L'objectif du flûtiste, c'était d'enlever des enfants dans une dimension, une autre dimension, la dimension de la nébuleuse noire, donc du monde des spectres, afin de leur faire subir une mutation, une transformation pour en créer des créatures démoniaques. Évidemment, Rome va vaincre le flûtiste et va affronter un personnage qui garde la porte de cette dimension, qui n'est autre que le gardien. Rien à voir avec Uatu, le gardien des quatre fantastiques. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? Rome va se retrouver aspiré dans cette dimension, affronter le gardien, mais voilà. Ailleurs, dans un sanctuaire sur la Terre,
à Greenwich Village, un certain Docteur Strange perçoit un trouble dans la Force, un peu comme les Jedi. Il se dit « il se passe quelque chose dans une autre dimension » et il décide d'apparaître dans la dimension où est Rome face aux gardiens. Il voit le chevalier de l'espace en difficulté, grâce à ses pouvoirs mystiques, il comprend qui il est, que c'est un chevalier qui vient pour sauver la Terre, et pas de bol, l'intervention de Strange déséquilibre l'ordre cosmique, et intervient ce personnage-là que vous avez ici, qu'on appelle tout simplement le tribunal vivant. Oui, le tribunal vivant, qui est une entité que Strange a rencontré à plusieurs reprises, à maintes reprises, et qui est une entité redoutable. Et il décide de faire apparaître l'intermédiaire qui est donc un autre personnage de l'ordre cosmique, qui se situe entre le chaos et l'ordre, et qui va affronter Strange. Rome se fait hypnotiser par le gardien, il est sur le point de perdre son combat. Strange n'est pas capable de maintenir un combat contre l'intermédiaire et de défendre Rome face au gardien, et il décide de se sacrifier en protégeant Rome et en envoyant un sortilège pour le réveiller. Malheureusement, l'intermédiaire va le vaincre, et c'est comme ça que l'épisode se termine, avec un Docteur Strange KO. Sur ce, le tribunal vivant considère que l'équilibre cosmique est revenu. Voilà, vous avez les quatre récits racontés de ce Strange. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans ? Il doit y avoir quelques articles assez croustillants, hein, comme dirait Norman. Nous avons le siècle de l'électricité, histoire de l'homme dans sa marche vers la civilisation. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi, hein. Ils en ont fait plusieurs pages quand même, hein. Regardez ça sur le bon de commande. Vous avez vu ? Ça veut dire que Tonton Strange a commandé. J'ai dû commander, à mon avis à l'époque, ou les deux premiers albums des X-Men, ou des vieux albums des 4 Fantastiques que je ne possédais pas à l'époque. Et oui, vous avez le Lug Revu qui est toujours là. Hein. Un petite pub pour ce personnage que vous voyez ici. Qui s'appelle Christar, la saga de Christar, qui était une sorte de saga d'heroic fantasy pas gégène, hein, et il apparaît pour la première fois dans Speedé. On apprend d'ailleurs que si Félix n'était pas morte, c'est un what if. Et donc, dans ce Speedé 51, et si Phoenix n'était pas morte, on commence la saga de Christar, donc qui est le prince d'une planète lointaine qui défend son royaume contre son frère jumeau, Moltar. Et son âme damnée, par Zardette, le sorcier, l'envoyé du chaos. Le souvenir que j'ai de cette série dans Speedé, c'est que deux interactions avec des héros Marvel de mémoire, le Docteur Strange déjà d'une, et Diablo qui est des X-Men, qui va avoir une aventure avec eux. En même temps, la série n'a pas marqué l'histoire des comics. Ce choix fait par les éditions Luc pour mettre cette histoire dans Speedé, c'était pas le truc le plus dingue, hein, que j'ai lu, hein. Et je pense que là-dessus, peu de gens, à part ceux qui ont lu les Speedé à l'époque, se souviennent vraiment de cette série Christar. D'ailleurs, je serais incapable de vous dire aujourd'hui qui a scénarisé, qui a dessiné. J'en garde pas de souvenirs probants. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors dans ce Strange ? Eh ben, projet pour la conquête de l'espace, avec un petit bonhomme avec une longue vue sur une navette spatiale. Tac, regardez. Elle est pas belle la vie ? Ah ben, il doit bien voir, hein, à ce niveau-là. Hein. Vive la navette ! Un article sur la pilule du bonheur. Oh là là. Eh ben, les médicaments du psychisme vers la pilule du bonheur. Non mais sérieux. Oui, droguez-vous. Droguez-vous en 2024. Voilà ce qu'on vous dit. C'est pas ce que je préconise, attention. Ne prenez pas au premier degré ce que je dis. Hein. Mais voilà, il y a tout un article là-dessus. Quand même, dans les années
84, hein, quand même. Soit 30 ans, 30 ans, 40 ans, 40 ans avant, on imaginait déjà une population qui était surmédicamentée. Bah, il s'avère que la France a un record, je crois, là-dessus. Enfin, on arrive au mot croisé, cher Spider-Man. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les mots croisés? Alors, 1. Celle d'Andromède ou des champions. Référence équipe de super-héros. Réponse, la nébuleuse. Eh oui. En 11, ancien ennemi indomptable d'Iron Man. Je vous laisse réfléchir. C'est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 lettres. Alors? Eh ben, c'est la licorne. Un vilain passionnant, d'ailleurs, je trouve. Oh là là, que des choses comme ça, un capitaine de race créée, l'homme fusée, enfin vous avez tous compris. Et puis, bah, le courrier des fans de Strange, cher à Norman. Alors Norman, qu'est-ce qu'on a? De quoi ça va parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, et ben on va lire le courrier de Philippe P. de Pessac. Qu'est-ce qu'il dit Philippe? Voilà plus de 10 ans que je reste fidèle aux éditions Lug. J'en ai maintenant 20. 10 ans qui, grâce à Strange, puis Spécial Strange et les autres, ont été agrémentés de moments passionnants. Ce dont je vous remercie. Alors là, ça sent la caresse de chat. Vous savez, la caresse de chat qui provoque des puces. C'est-à-dire, ça commence par un compliment et ça va enchaîner une gauche, une droite et un pied levé très rapidement. Je le sens bien comme ça. Hein. Ce dont je vous remercie. Donc oui, voilà. Pourtant, tout n'est pas parfait. Si dans ma jeunesse pleine d'innocence, j'acceptais tout sans critiquer en vieillissant, je suis devenu plus exigeant. Quand perdrez-vous l'abominable habitude d'amputer les épisodes originaux d'une image, voire ce qui est souvent le cas d'une page? Respectez au moins leurs auteurs. Si c'est comme je m'en doute, parce que vous n'avez droit qu'à 80 pages, couleur, comment ferez-vous lorsque tous les épisodes passeront à 22 pages? Pourquoi utilisez-vous toujours l'autocensure et en supprimant tout bonnement d'une planche les objets susceptibles de choquer? Revolver, couteau, Godmiché, non, pas Godmiché, excusez-moi, hein. C'est pas dedans. Hein. Les personnages monstrueux, les onomatopées, l'interdiction de fantasques de Marvel, des Éternels, vous a-t-elle choqué au point que vous n'abandonneriez plus cette méthode? Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de parler de l'autocensure des éditions Lug, cher à tous les fans qui en parlent sur les réseaux sociaux, qui en parlent sur les chaînes YouTube? Moi, j'ai envie de répondre, hein, pas pour les défendre, mais avait-il vraiment le choix? C'est un peu, voilà... Parce que c'est facile de juger après coup, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Ce serait vraiment stupide. Par pitié, faites des lettrages plus petits. Vous noyez les dessins sous des bulles démesurées par rapport aux originales. J'ai un doute là-dessus. Il me semble que les bulles sont bien calibrées, en tout cas pour les éditions lues. Enfin, à cette époque-là. Hein. Soignez aussi vos titres. Plus ça va, plus vous les négligez. Bah, décidément, il a que des reproches à faire, celui-là, hein, ce Philippe-là. Hein. Vous devez bien vous rendre compte que vos posters sont décevants. Pourquoi ne pas les remplacer par de vieilles couvertures de Strange? Dans les numéros 30 à 50. Alors lui, c'est pas dirigé, lui. Tu vois, déjà, on sait déjà que c'est un nostalgique des Strange entre 30 et 50. On est tous nostalgiques d'une période, hein, dans un Strange. Hein. C'est forcément la meilleure. C'est ça, hein, le principe de la nostalgie. Et oui, ces fameuses couvertures entre 30 et 50, et il termine par dire qu'ils sont souvent fabuleuses. Eh ben, ceci dit, c'est pas une mauvaise idée, ça aurait permis aux éditions Lug de faire des économies, si on y réfléchit, mais quand même. Réponse des éditions Lug. Ce n'est pas par plaisir que nous censurons, car cela implique un travail fastidieux pour notre atelier et nous créer, au contraire, des problèmes de pagination. Mais la commission de surveillance et de contrôle admet mal le genre super-héros et nous ne pouvons risquer une interdiction qui, croyez-nous, sur parole, est dans le domaine du possible. Maintenant que nous utilisons
les films originaux, les ballons français occupent la même place que les ballons américains. Et paf, Philippe, je m'en doutais un peu ça. Nous retenons votre suggestion en ce qui concerne les posters, cela ferait une économie supplémentaire. Bah oui, soyez pas trop cons. Ensuite, on a qui ? Ah, alors A.link de vas-y. Oh, j'ai dit son nom de famille, autant pour moi. Bon, enfin bon, qui s'en souviendra, hein ? Donc A, je vais l'appeler A. Que dit A ? De Fantasque 1 à Strange 162, que de souvenirs et de joie. Oui, il va pas nous faire la même quand même. De suspense, d'émotion et d'attente aussi. Dès le bouquin lu, j'attends avec impatience le mois suivant pour lire la suite des aventures de Rome, de Spider-Man, les Fantastiques, Iron Man et tous les autres super-héros avec les copains. Ah. Nous échangeons nos impressions et grâce à ces discussions, nous sommes venus à créer un petit club qui s'intitule, en toute modestie, le Comics Fan. Mais c'est des collègues. C'est des collègues de l'époque. Pas de groupe Facebook. Pas de groupe sur d'autres réseaux sociaux. Et pas de chaîne YouTube. Mais quand même, c'était comme ça que ça pouvait se passer à l'époque. Moi, j'ai malheureusement pas connu beaucoup de copains qui en lisaient. J'en avais quelques-uns, mais qui n'étaient pas aussi accrochés que moi. Hein. Eh ben, c'est Monsieur A est un collègue. Voilà. Un collègue du passé. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour vous dire, pour ceux qui l'ignorent ou pas, ou encore, j'ai deux groupes Facebook. J'ai le groupe Génération Lug avec un S et j'ai le groupe Planète Strange. Donc il y a quand même pas mal de monde sur Génération Lug. Si ça vous intéresse d'aller voir, d'aller jeter un œil, de poster des choses, c'est avec plaisir que je vous accueillerai, toujours dans le respect, évidemment, des membres et des autres. Sinon, je fais la police, je fais le carabinier. Hein. On sent que je reviens de Rome, moi. Hein. Donc, Comics Fan, et qui regroupe déjà de nombreux membres. Notre but est de favoriser et promouvoir ce genre de bande dessinée. Pour cela, nous éditons un périodique comportant de nombreuses rubriques, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Articles sur les super-héros, vilains, petites annonces, jeux, telex, amusants, etc. Afin de faire profiter vos nombreux lecteurs de ce club, je vous communique mon adresse où, contre une enveloppe timbrée à 2,30 francs, tous vos lecteurs le désirant auront le renseignement voulu. Alors là, je m'arrête là parce que je vais pas vous donner l'adresse. Sachez juste que c'est à Vasier. Voilà. Pour terminer ce courrier, je vous fais part d'un serment que j'ai fait avec mon meilleur ami, tout comme moi, fanatique de vos revues. Le premier qui abandonne la lecture de Strange Titan Nova ou Speedé donnera sa collection complète à l'autre. Dans tous les cas, notre pari s'achèvera au numéro 500 de Strange. Ils sont bien optimistes. Au moins 25 années de sublime lecture. Et pas de bol, ça n'a pas duré aussi longtemps. Je suis désolé. On est en 84, non, désolé. Malheureusement, Strange, si on remonte le temps, tel Retour vers le futur, n'aura pas 25 ans de vie supplémentaire. Réponse des éditions Lug. Rendez-vous dans 25 ans. En attendant, envoyez-nous votre fanzine. Merci, ça c'est très sympa quand même. Eh ben écoute, je trouve que vous aviez eu une super initiative à l'époque. C'était une très bonne idée de créer un club et surtout d'avoir la chance d'avoir des tas de copains qui étaient passionnés de Strange en 1984. Dernier courrier. C'est par une froide journée d'hiver que je découvris pour la première fois Strange, alors âgé de 10 ans. Je me plongeais dans la saga de super-héros. Certes, en France, pendant les années 70, les surhommes au pouvoir surnaturel n'étaient pas trop à la mode au cours des années. Ah si, un peu quand même, parce que si je prends la télévision, il y avait l'homme qui valait 3 milliards, il y avait Super Jamie, il y avait l'homme invisible, il y avait l'homme de l'Atlantide, il y avait... alors ça c'est plus tard, Manimal, mais nous on l'a eu dans plutôt au début des années 80. Il y avait Wonder Woman, il y avait l'incroyable Hulk, et il y avait en dessin animé Spider-Man,
le téléfilm, enfin la série télé qui a été diffusée en salle en France, comme l'homme araignée, la riposte de l'homme araignée contre le dragon, enfin tout ça, ça date bien des années 70. Plus tout ce qu'il y avait chez Hanna-Barbera, le fantôme de l'espace, Mythe, Samson et Goliath, ça vous rappelle des souvenirs, je suis sûr, hein? Donc, bah, j'ai pas envie de. Oui, bah voilà. Bon, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Hein? Les surhommes au pouvoir sur les. Oui, voilà. Au cours des années, l'évolution de ce monde fantastique s'est largement frayée une place dans le domaine de la bande dessinée et du cinéma. Strange grandit avec moi dès mon adolescence. Je prenais une autre attitude vis-à-vis de cette BD. Elle m'apportait quelque chose de plus profond. La vie quotidienne, les problèmes sentimentaux et sociaux de certains super-héros. À 15 ans, mon héros favori était Peter Parker, alias l'araignée. On est mon petit Patrick. Ah oui, je sais pas si j'ai dit le nom de notre lecteur, Patrick de Lepereux. On était tous comme toi, mon Patrick. Tous. Pour moi, il représentait l'adolescence que j'étais. En plus de ces fabuleux combats, il affrontait la vie dans une société moderne où on a du mal à faire confiance à l'autrui. Plus tard, je fus attiré par la sophistication des pouvoirs surnaturels. La disparition tragique de Captain Marvel fut une grande perte. C'est vrai. Pendant 10 ans, j'ai suivi ces aventures ô combien passionnantes. Et là, il succombe à une maladie terrestre. Bien que cela soit de simples dessins, je n'en reste pas insensible à cette mort à cette mort. Si Strange m'a fait rêver durant mon adolescence, il continue et continuera à me transporter dans d'autres univers fantastiques où règnent des personnages dépassant l'entendement humain. Écoute, Patrick, ta lettre était parfaite. D'ailleurs, si jamais certains lecteurs, dont je lis les courriers, se reconnaissent, qu'ils n'hésitent pas à mettre un commentaire sous ma vidéo. On passe tout de suite à la suite. Le spécial Strange Origin bis 172 du même mois, de la même année. Alors, dans ce spécial Strange Origin bis, qu'est-ce qu'on a donc de beau dedans? Eh bien, on a les origines de deux super-vilains, Docteur Doom ou Docteur Fatalis et Dormammu. Sur le contenu, concernant le Docteur Fatalis, nous avons donc le Fantastic Four 5, sorti en 1962, écrit par Stan Lee, dessiné par Jack Kirby et ancré par Joe Sinnott. Le titre, Prisoner of Doctor Doom. Il a été édité de nombreuses fois, hein, donc dans Fantasque numéro 2, dans l'album Les Fantastiques 22, Duo Diabolique, Marvel Top 21, La Renaissance des Héros, datant de novembre 2000, et enfin l'intégrale des Fantastic Four numéro 1, donc celui de, ça doit être 1962-1963, ou que 1961, pardon, 1962. Oui, c'est plutôt ça. Et Marvel, Les Origines 3, donc c'est des livres noirs avec une belle couverture argentée en surimpression qui est assez, c'est une belle édition. J'ai les 4 d'ailleurs rangés quelque part, mais c'est vraiment une belle édition. Le résumé, bah, les Fantastiques se retrouvent piégés à l'intérieur du Baxter Building par un étrange individu habillé avec une armure et un masque de fer qu'on appelle le Docteur Fatalis en français et le Docteur Doom en anglais. Reed Richards reconnaît à la voix son condisciple qui était à la même université que lui et Benjamin Grimm, donc alias La Chose. Le Docteur Fatalis flirtait avec des forces occultes et ses expériences lui coûtèrent son visage. Il a tenté une expérience, la machine a explosé et il a perdu son visage. Il a été complètement défiguré. Il a été ensuite renvoyé de l'université et il est parti dans l'Himalaya, au Tibet, à la recherche de secrets plus ou moins mystiques et on a entendu dit plus parler de lui jusqu'à ce jour.
Après avoir pris en otage l'invisible, ou la femme invisible, ou la fille invisible, Susan Storm, Fatalis oblige les trois autres membres des Fantastiques à monter sur sa plateforme, à voyager dans le temps, pour récupérer des pierres mystiques au temps de Barbe Noire, le célèbre pirate. Il ignore à ce moment-là que Barbe Noire n'est en fait que la chose et que quelque part, il a créé un paradoxe temporel. La suite, ça, vous la découvrirez si vous lisez cette aventure. Le récit suivant, c'est un Fantastic Four annual 2, datant de 1964, écrit par Stan Lee, dessiné par Jack Kirby, ancré par Chick Stone. The Fantastic Four Origin of Doctor Doom. Récit de nombreuses fois édité aussi dans l'album des Fantastic Four numéro 24. Il a été réédité. Il a été réédité dans Marvel Heroes hors série numéro 3. Et il a été édité dans l'intégrale des Fantastic Four numéro 3, 1964. Il a été édité aussi en 2015 dans Nous sommes les 4 Fantastiques. L'autre récit qui a accompagné les origines de Fatalis est paru dans l'album des Fantastic Four numéro 30, La Machination de Fatalis, sous le titre The Final Victory of Doctor Doom. Voilà, tout un programme. Qu'est-ce que ça raconte? Ben là, ça raconte vraiment les origines de Fatalis, de son enfance, en passant par son adolescence et en Latvérie, et jusqu'à son accident qui va le défigurer, et jusqu'au moment où il est parti dans le Tibet pour devenir le Docteur Doom, avec cette armure, ce masque, voilà. Et ce méchant qui est tellement, tellement charismatique, qui est peut-être l'un des vilains les plus charismatiques de l'univers Marvel. En termes d'écriture, si les influences sont tournées vers la littérature, très souvent, comme souvent chez Stan Lee et Jack Kirby, on peut reconnaître très, très, très vite le fantôme de l'opéra. Et aussi teinté un peu de la légende de l'homme au masque de fer. Stan Lee, c'est lui qui aurait trouvé le nom du personnage, Doom. Fatalis, je félicite le nom de la personne des éditions Luc qui a eu cette idée. Hein. Ça résonne un peu comme Vitalis, comme dans Rémi sans famille. Et je me dis, bah ouais, c'est pas mal ça, Fatalis, quand même. Et je pense qu'on est beaucoup à aimer le nom français. Son titre de docteur aussi, il lui a donné ça. C'était un peu l'idée, quoi. Professeur, docteur, enfin, il voulait un espèce de savant fou à la teneur de fantôme de l'opéra. Jack Kirby, en rigolant, lui demandera si c'est un spécialiste ou un généraliste. Tout ça est écrit c'est d'après les dires de Stan Lee. Hein. Je mets quand même des parenthèses parce qu'il est aussi le premier à écrire sa légende. Putain, j'ai oublié de parler de la couverture. C'est Jean-Yves Mitton qui a fait cette magnifique couverture. Ouais, important de le dire aussi quand même. Donc ils ont créé un méchant, et quand même l'idée, ça j'ai tendance à croire Stan Lee là-dessus, l'idée était d'en faire plus un anti-héros qu'un vrai méchant, et ça je trouve ça très intéressant, parce que je trouve, et notamment à travers les origines qui ont été écrites beaucoup plus tard, finalement, que Fantastic Four 5, il y a quelque chose de qui résonne, quoi, je veux dire... Il a quelque chose de grandiose qui fait penser vraiment à un héros. Quand vous relisez ses origines, il est en Latvérie, il est rebelle, il veut renverser la dictature qui est en place. Certes, ça deviendra un dictateur, mais il a quelque chose d'assez révolutionnaire quand même, ce personnage. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si, vous vous posez la question, Dark Vador, Fatalis, est-ce qu'il y a une inspiration? Je pense pas qu'il y ait une inspiration directe de la part de George Lucas, même si on le dit, mais moi je pense qu'il y a eu en tout cas les mêmes racines, les mêmes idées de source, puisque rien ne se crée par le vide. Et je crois qu'on faut revenir vraiment au personnage de Gaston Leroux, le fantôme de l'opéra, aussi bien pour Dr. Fatalis que pour Dark Vador. D'autant plus que
dans l'aspect, dans la voix, un peu robotisée, il nous renvoie à un film de Brian De Palma, à savoir Phantom of the Paradise, qui est quand même une vraie création qui est inspirée du fantôme de l'opéra concernant Vador, évidemment. Mais ils ont ce côté évidemment commun, quoi, hein, cette armure, ce visage défiguré, ce masque de fer, c'est certain. Et cette grande méchanceté, ils sont méchants. Voilà pour notre ami Docteur Doom ou Docteur Fatalis. On passe au vilain suivant, qui est un vilain assez intéressant, qui a une particularité assez unique, c'est que, en fait, il était connu avant d'être créé. Enfin, connu pour les lecteurs du Docteur Strange. Puisque, on disait de lui, il y avait des formules, plus ou moins une formule magique, qu'il faut que je retrouve d'ailleurs. Attendez, je vais vous le dire, parce que c'est quand même... Alors, comment c'est défini ça? Ah oui, voilà. Par le maléfice du Dormammu, l'effroyable. C'était ça, la formule magique. Et il apparaissait de nom. Alors, me demandez pas dans quel Strange Tale, mais il apparaissait de nom avant d'apparaître. Et en fait, c'est les lecteurs qui ont commencé à écrire en disant « Mais ce Dormammu, là, vous nous en parlez comme ça, vous nous le teasez, mais quand est-ce que vous le créez, quoi ?» Et en fait, ils vont le faire, c'est-à-dire Stan Lee, Steve Ditko, dans Strange Tale 126, datant de 1964. Donc c'est Steve Ditko aussi qui en crée, donc je n'annoncerai pas d'encreur sur le sujet. Le titre, The Domain of the Dread Dormammu, paru en France dans Eclipso 43 en 1974. Retenez bien ça. Je dis bien retenez bien ça parce que quand je vais parler du 127, c'est pas très clair le mode de parution d'Arodi Artima. Hein. Il a été republié, réédité dans Marvel Les Origines 4, donc toujours ces beaux livres en noir avec cette surimpression de personnages plus ou moins argentés, et l'intégrale Doctor Strange numéro 1 qui est sortie chez Panini Comics. Le résumé, le mentor, donc l'ancien, qui est un peu l'équivalent de Maître Yoda dans l'univers du Doctor Strange, est paralysé par un maléfice d'un sorcier ou d'un démon d'une dimension, la dimension noire. Il décide d'envoyer le Docteur Strange dans cette dimension noire pour délivrer un message au maître des lieux. Et ce maître des lieux, ce n'est autre que Dormammu. Dormammu lui-même. L'effroyable Dormammu. Ce dernier veut conquérir notre dimension. Il possède un pouvoir bien au-dessus du mentor de Doctor Strange, donc de l'ancien, et au-dessus du Doctor Strange, qui n'est encore que un disciple. Il n'est pas encore le grand maître des arts mystiques. Donc il est envoyé dans cette dimension étrange, où alors là, Steve Ditko nous éclate absolument visuellement avec des idées, mais il n'y a pas un dessin, il n'y a pas une planche où il n'y a pas une idée de dingue. C'est le talent pur de ce type. Certains le critiquent sur certains autres aspects, un style un peu vieillot qui n'a pas su évoluer avec son temps. En revanche, il a des idées visuelles. Waouh, c'est vraiment le héros des fans de hippie. Hein. Strange va aller dans cette dimension et puis il va se taper tous les laquais. Du Dormammu, tous ses disciples, toutes ses créatures, et Strange va réussir à les vaincre un par un. Il va rencontrer celle qui va devenir l'amour de sa vie, c'est-à-dire Cléa, qui est de cette dimension, et qui va lui donner un petit coup de main, ce qui lui coûtera un peu plus cher plus tard, parce que Dormammu va lui faire un peu payer. Et ce qui va se passer, c'est que une fois que le Docteur Strange se trouve face au Dormammu, il va lui délivrer le message, l'avertissement de l'ancien qui lui dit « Ne viens pas dans notre univers, sinon, pampan cucu !» Et là, Dormammu provoquer en duel le Docteur Strange dans un combat mystique, et un combat de sorciers et de magiciens. Là, le combat, ça rigole plus du tout. Les enjeux, donc là, on arrive au Strange Tale 127, qui est lui aussi de 1964,
qui est lui aussi écrit par Stan Lee, dessiné et ancré par Steve Ditko, qui s'appelle Duel White the Dread Dormammu, paru dans Eclipso 25 et 40, datant de 1972 et 1974. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure? L'épisode précédent est paru d'abord pour la première fois dans Eclipso 43 en 1974. Comment se fait-il que cet épisode, qui est la suite, est paru 2 ans avant? C'est assez étonnant dans cet Eclipso 25. Je comprends pas comment. J'ai l'impression quand même qu'à l'époque, Harold Hartima prenait les séries américaines et pap 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 pap. Vas-y, on dispatch, on s'en fout si c'est pas dans l'ordre. Stack stack. Ça soulève quand même toutes ces questions là. Il a été réédité aussi dans le Marvel Les Origines 4 et l'intégrale du Docteur Strange numéro 1, donc c'est le premier qui est sorti. Cette fois-ci, le combat a lieu, mais seulement Docteur Strange est complètement surclassé par son adversaire. Dormammu, c'est la Ligue des Champions. C'est un peu comme si Brest affrontait le Real de Madrid. Bah, à la fin, le Docteur Strange gagne. Allez, Brest. Donc, l'effroyable Dormammu affronte le Docteur Strange, il est mis en difficulté par Dormammu, et Cléa connaît un point de vulnérabilité de Dormammu. Ben oui, chaque méchant a un petit peu son talon d'Achille. Son talon d'Achille, il est très simple. Son talon d'Achille, c'est une barrière mystique. Dormammu maintient une immense barrière mystique, infranchissable, parce que de l'autre côté de cette barrière vivent les sans-âmes, des créatures faites de pierre avec des yeux de feu. Ils envoient des rayons mortels, ils sont complètement idiots, et ils pensent qu'à tout péter et à tuer. Elle décide de poser un objet mystique qui va affaiblir la barrière, et plus le combat avance avec Dormammu et Strange, plus lui aussi s'épuise le Dormammu, et la barrière cède. D'un coup, les sans-âmes envahissent la partie occupée par le Dormammu et tous ses vassaux. Dormammu se retourne et décide d'affronter les sans-âmes pour remettre la barrière en place, seulement il n'a plus autant d'énergie mystique, et les sans-âmes peuvent encore détruire la barrière. C'est là où Docteur Strange va faire preuve d'une noblesse d'âme, et il va l'aider, il va utiliser son énergie mystique pour renforcer Dormammu, pour pouvoir rétablir la barrière. Et de ce fait, Dormammu devient redevable au Docteur Strange et dit « écoute, je te demande quand même une chose, c'est de pas envahir ma réalité. » Dormammu va se plier, mais avec plein d'idées derrière-pensées, derrière la tête, ou derrière les flammes, parce que si vous voyez sa tête enflammée. Et la suite, Harold Hartima, plus ou moins la publiera, un récit génialissime, et par bonheur, ça a été publié aussi dans la première intégrale du Docteur Strange. Un jour, je vous la raconterai, parce que c'est, pour moi, l'un des meilleurs runs, ou des meilleurs arcs que j'ai lus sur le Docteur Strange, réellement. Et c'est à l'époque de Steve Ditko. Mais j'y reviendrai un jour, ceci est une autre histoire. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant dans ce spécial Strange Origin? Hercule l'Olympien. Eh oui, récit complet Marvel. J'ai préféré le deuxième. Alors je sais qu'il y a un album Tobédé qui fait le troisième, qui n'est pas très intéressant, mais alors le deuxième, j'ai trouvé fantastique. L'affrontement entre Zeus et Hercule à la fin, c'est... ça envoie du lourd. Peut-être un futur rétro Strange, tiens. On parlera bien à un moment donné des récits complets Marvel. La naissance des étoiles, c'est intéressant. Il faut bien que notre petite tête blonde puisse devenir des futurs Newton. Vous voyez ce que je veux dire? Les pionniers de l'impossible. Nous on a Anderson en 1830. Maes sous les glaces, 1958. Je comprends. Ah non, pardon, excusez-moi. 1830 Miles sous les glaces. Datant de 1958, il a fait ça en sous-marin. Ericsson, exploit familial, 1965, j'ai pas tout compris, il nage, fait du cheval,
Siffre, séjour au cœur de la Terre en 1972. Alors là, c'est The Descent. Hein, avant de me faire faire ce genre de truc, la spéléologie, ça n'arrivera jamais. Je vous le dis tout de suite, vous n'y arriverez pas à m'y mettre. Bird, l'aviateur des pôles en 1926. Nobile, brouille mortelle en 1928. J'ai cru que ça allait être brouille mortelle pour SS-117. Moi, je préfère Bad Trip à Tripoli pour SS-117. Vous voyez, ça sonne mieux. Tabei, la plus haute maman. Alors, pas en taille. Hein. Je vois déjà Norman. Non, pas en taille. C'est la plus haute en altitude. En 1975. Ensuite, nous avons le Japon face au reste du monde. Et là, je vois une espèce de poupée gonflable. Je ne sais pas si vous la voyez, hein, aussi bien que moi. Hein. Elle s'appelle... C'est un androïde. Ouais, en 84, un androïde. Cet automate rit, pleure, parle et bouge les yeux d'une manière très réaliste. Vous voyez, ça commençait déjà les emmerdes. Hein. C'est comme ça que les Cylons ont débarqué. Moi, je vous le dis. Hein. Si vous avez vu Battlestar, ça finit mal. Hein. Donc, non merci. Mais c'est pas vrai, c'est qu'ils ont même fait Marilyn Monroe avec une guitare. Puis il y a deux petits robots sympatoches, là. Bon, ok, hein. Ensuite, on a les membres artificiels obéissant à la voix. Mais alors là, c'est très perfectionné hein, sur ce que je vois sur le visuel. Mais la question, elle est simple. On est déjà pas mal, je crois, en ce moment avec ça. Hein, là, pour le coup, ça a du sens ce qu'on voit. Hein, parce que je crois qu'il y a des choses qui sont faites dans ce sens-là. Hein. Et enfin, on termine avec l'énigme du docteur Fatalis. Alors, ça parle de quoi? Place l'une à côté de l'autre les initiales des mots représentés par les dessins. Tu découvriras un nom qui a un rapport avec ce célèbre super-vilain. Il y a un lapin. Une espèce de panier. Alors, attends. Place quoi, déjà? Allez, je crois... Voilà, regardez. Sans vous faire voir, hein, comme ça va peut-être vous aider. Hein. Elle, hein. Là, ah, c'est une anse. C'est ça qu'ils font voir. Ah, j'avais pas compris. C'est l'anse du panier. D'accord. C'est une anse, hein, c'est ça. Hein. D'accord. Ben, un T. Hein, hein. Je triche un peu. Hein. Oui, mais c'est... je connais la réponse. Eh ben, croyez-moi ou pas, je ne vous la dirai pas. Et toc. Eh oui, ben, c'est comme ça. Si vous voulez le savoir, ben, je vous le dirai dans Rétrostrange numéro 4. Ça sera le truc un peu... Voilà. Hein. Et après, qu'est-ce qu'on termine sur quoi? Spécial Strange, les X-Men du futur tentent de changer l'histoire pour empêcher l'extermination des mutants. Superbe, c'est Day of Future Past. Superbe histoire. Et si Phoenix n'était pas morte, ça c'est dans la saga de Crystar. Ah, ils en font de la pub de Crystar. Hein. J'aime autant vous le dire. Hein. Le prince de Crystal dans Speedy 51. Encore en vente, Serval. Un récit complet Marvel. Je crois que c'était le numéro 1, c'est ça. Hein, vous me confirmerez dans les commentaires. Mais je crois que c'était le premier, celui-là, Serval, le récit complet Marvel. Donc là, ils font la pub pour Hercule, qui est à venir, en fait. Ah, c'est pas mal. Ah oui, il paraîtra en mai. Hercule paraîtra en mai. Et bah, ils mettent aussi écrit et décidé par Bob Layton, évidemment. Génial, Bob Layton. C'est pas mal. Et derrière, nous, on a quoi? Alors, les Fantastiques au Royaume des Sorciers. Oh, j'avais adoré cet album. L'Enfant et les Sortilèges. J'avais adoré le combat contre les Sept de Salem et trucs. D'ailleurs, j'ai très peu de comics originaux. Mais ça, je l'ai. Je l'ai en original, cet annual. Annual, je sais pas le numéro combien, mais 14, 16, je sais plus. Mais je l'ai en version originale. Le mois prochain, rendez-vous avec l'araignée, Kraven le chasseur et le vautour. Génialissime.
John Romita Senior au dessin, c'est la classe, quoi. Et enfin, un album signé ben, Stan Lee et John Romita, encore en vente, la plus dramatique aventure des X-Men, ce petit bijou qui est quand même un véritable chef-d'œuvre. Eh oui, et Dieu crée l'homme détruit. Et voilà, un rétro strange qui se termine. Bah écoutez les copains, on s'est bien amusé. Ah si, pour mon pote le French Geek, pour sa réponse, je sais que t'aimes bien mes t-shirts, hein, donc bah c'est le même que j'avais en Italie à Rome. Et tu avais raison. Il s'agit bien de Dawn of the Dead. Et oui, et ça fait référence évidemment au film de George Romero, La suite de la nuit des morts vivants, connu en France sous le titre de Zombie. Et c'est vrai, pour répondre à ce que tu disais, qu'en Italie, les Italiens, notamment Lucio Fulci, étaient assez fans des films de zombies et de morts vivants. Moi aussi, j'ai vu Frayeur. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon. Pour la suite, un petit partage, un commentaire, abonnez-vous. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Commentez. Je sens que les rétrospranges, c'est votre truc, ça. Hein. Ça vous plaît, ça, les rétrospranges. Hein. On va rester là-dessus. C'est génial. Je vous embrasse. Je pense que le prochain rétrospranges ne sera pas sur un Strange, ni un Titan, ni un Speedé, ni un Nova. On va partir sur autre chose, mais qui reste dans les éditions Lug. Et oui, donc je vous embrasse tous et n'oubliez pas, le Parigo vaut mieux l'avoir sur YouTube. Et bisous à tous !